Déjà, le scénario, ça permet de cerner un petit peu le personnage, de voir son évolution au fil de l'histoire. Donc ça, déjà, nous, ça nous donne un point de vue. Et ensuite, évidemment, on part à la recherche de personnes qui pourraient coller au profil, mais avec les indications de la mise en scène, donc de la réalisatrice et évidemment de ses assistants. Donc là, en l'occurrence, pour Lini, il fallait une jeune fille fraîche, jolie, mais pas trop. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle soit trop jolie, plus jolie que Louise Bourgoin. Donc il fallait qu'on arrive à trouver puis une jeune fille qui joue juste aussi. Bon, ça c'était important parce qu'elle a quand même un petit peu de texte hein, au début. On a travaillé donc les essais, on a vu pas mal de Lily finalement. Autant il y a eu des rôles où assez rapidement ça a été des évidences. Et pour Lily, ça a été un petit peu compliqué. Donc il y avait aussi, il fallait qu'on sente que Louise pouvait prendre sous son aile cette jeune fille, donc il y a une certaine fragilité. Donc enfin voilà, donc on a vu des personnes et à la fois qui avaient fait du théâtre, mais pas forcément, donc des jeunes filles, voilà, en casting sauvage. Donc de notre fichier qui n'avait pas forcément fait du théâtre ou dans la rue, voilà, qui pouvait coller, qui avait déjà fait du service, hein, ça c'est vrai que c'était un plus puisque au carré mère, il fallait qu'elle ait pas peur de porter un plateau, qu'elle ait les bons gestes, voilà, le geste. Donc on a commencé tout un travail de Lily. On a montré des essais à Nicole Garcia et pour le coup, il n'y a pas eu de call. Enfin, si, il y a eu un callback de Lily potentiel. Alors ce qu'on appelle un callback, hein, c'est la réalisatrice qui revoit. Nous, on leur envoie en fait, on envoie à la mise en scène des premiers essais qu'on fait nous avec la personne. On fait plusieurs essais, on monte les prises les plus intéressantes et on envoie ça à la mise en scène. Et suite à ça, ben Nicole Garcia a voulu revoir deux Lily potentielles. Mais donc après, en les voyant, les dirigeants, bon, assez vite, après le callback, on a senti que ça ne collait pas. Donc on est reparti en casting sauvage. Ce rôle-là, ça n'a pas été simple, en fait, finalement. Et on a envoyé... Enfin, moi, j'avais travaillé avec Juliette Roux, qui a été finalement retenue sur une série. Et elle avait déjà fait du théâtre, elle jouait juste. Je trouvais qu'elle avait cette fraîcheur qui pouvait coller. Et je dis, bon, quand même, ça serait bien... qu'on lui montre ses essais. Donc on lui a fait faire des essais qui étaient pas mal, hein, j'avoue, les premiers qu'on avait fait avec elle. Et suite à ça, donc Nicole a bien voulu la rencontrer. Et c'est vrai que des fois, de partir avec trop d'indications pour un rôle, eh ben, finalement, on se met des barrières, on n'a pas d'imagination, on se dit mince, on passe à côté, et peut-être que... Et finalement, c'est vrai qu'en travaillant avec elle sur le callback, ben, elle a été séduite par Juliette, en fait. Voilà, ça se fait comme ça. Et combien de temps quand même pour pour ce casting justement de ce second rôle? Bah ça s'est étalé sur plusieurs semaines parce que comme on faisait plein de choses en parallèle, d'autres rôles, en termes de temps précis, de jours, je pourrais pas te donner quelque chose de concret parce que comme il y a eu vraiment des choix qui ont été faits en parallèle, des recherches, mais on va dire que celui-là n'a pas été simple. Hein. De casting. Et donc, après le rendez-vous avec Juliette, c'était pour elle, ça a été direct. Quoi. Des fois, il y a un certain temps de maturation, on se dit, bon, on réfléchit, on va voir, on va revoir les essais, le callback. Et là, finalement, très rapidement, c'était. Elle a bien aimé les essais, ouais. Mathias, il est parisien et c'est Laurent Courreau qui a fait le casting enfant, qui est spécialisé dans le casting enfant, entre autres. Et alors, c'est vrai que quand moi je suis intervenue donc 2 mois avant le début de tournage, et comme on avait encore une commission d'AS de possible,
Ils m'ont demandé effectivement si dans mes fichiers j'avais pas un enfant qui pouvait coller éventuellement, parce qu'ils en avaient sous le coude, on va dire, mais bon, voilà. Donc c'est vrai que je t'ai pas envoyé les essais d'ailleurs, mais on a vu un des enfants de l'école Basile, hein, parce que c'est ça, hein, c'est Frédéric Basile, hein, qui un petit gitan en fait, mais qui pouvait, qui avait quelque chose d'intéressant, mais dans le parler en fait, ça n'allait pas, parce qu'il avait quand même un accent, il fallait un enfant qui n'ait pas trop d'accent, voilà, mais il avait une espèce de fragilité. Parce que ça, c'était un casting, par contre, beaucoup plus long, on va dire, dans les essais. C'est-à-dire, il y avait vraiment des étapes très particulières. Il fallait qu'on le laisse, on va dire, un certain temps devant une feuille blanche et réfléchir, lui dire, bon, bah, tu penses à quelque chose de triste. Après, laisser parler un petit peu son imaginaire sous forme de jeu. Donc là, c'était un casting beaucoup plus précis. Et on a vu notamment donc, deux enfants, un de l'école Basile et un de mon fichier, pareil, avec une certaine sensibilité. Voilà, quelque chose, il fallait qu'il ressorte une fragilité. Mais ils ont conservé Mathias, donc ils avaient déjà casté, je ne sais pas combien de temps après le casting pour Mathias, mais je pense que ça a pris du temps. Alors ça, c'était aussi un parti pris que je trouvais intéressant, hein, c'est sûr, de partir sur des séquences avec des vrais SDF. Donc évidemment, c'est une difficulté, puisque les SDF n'ont pas nécessairement de portable. Donc il a fallu commencer à les chercher, on va dire, à partir de début juillet, pour une séquence qui s'est tournée début septembre, exactement. Donc c'est un travail de fond assez énorme, puisque on est passé par un médiateur, mais il y avait aussi cette image, c'était très délicat, parce que ça touchait à des vrais SDF, donc comment ils allaient être filmés. Donc le médiateur au départ était assez réticent, parce que voilà, comment ils allaient être filmés, mis en avant, respectés. Enfin, c'était tout un tas de codes qui n'étaient pas évidents. Donc on a mis en confiance le médiateur. On lui a fait lire le scénario. Voilà, on a dit que Nicole, que c'était une évidence pour elle de travailler avec des vrais SDF, mais c'était pas pour, c'était pas une étude de SDF, quoi. C'était vraiment pour coller au mieux à la scène, parce qu'un des acteurs, dans le film, à un moment de sa vie, est SDF. Enfin, il y avait une logique. Donc, il a fallu les approcher petit à petit, parce qu'il y en a eu certains qui ont été mis en avant par le médiateur, mais il faut bien, c'est un casting, donc il y a bien à un moment une notion de choix, donc il ne fallait pas en froisser certains. Enfin, ce qui gênait le médiateur, en fait, c'était ça, c'était qu'à un moment, il y en avait et qui allait être défavorisé peut-être par rapport à d'autres, et comment l'expliquer, comment le justifier. Donc il a fallu aussi à un moment aller à leur contact, leur expliquer, mais c'est toujours très délicat pour des gens qui ne font pas partie du cinéma, de dire à un moment, oui, mais lui, tu vois, il a été choisi, mais pas toi, enfin... Bon, ça a été tout un travail pédagogique, psychologique, une approche à faire. Et puis après aussi, il y a eu du casting sauvage de SDF. Hein. Donc petit à petit, les approcher, leur offrir des clopes, leur proposer un sandwich. Et comme ça, un peu une fidélité tout au long, on va dire, de la préparation, quoi. On est parti sur une tranche d'âge, plus ou moins, avec plutôt des jeunes, mais aussi peut-être des personnes un petit peu plus âgées. Donc même présentation que pour les élèves. Hein, exactement, portrait, plein pied. Voilà. Il connaît des femmes aussi, c'est important. Il y a quand même une majorité d'hommes. Donc ça, c'était quand ils voulaient des gens un petit peu plus âgés.
dans la communauté de SDF. Des gens typés aussi. Au fur et à mesure, on a affiné, après les propositions, on a affiné après chaque proposition.